Francky, tu vis ici, alors raconte, je suis sûr que tu as remarqué quelque chose. Allez, parle! Je vous jure que j'ai vu personne la balancer là. Vous avez vu ses yeux? Ma sœur avait les mêmes. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle était très belle. Qu'est-ce que c'est triste. Bouge pas de là, d'accord? Ces clodos volent à 10 000 mètres d'altitude. Autant interroger un mur. Hey! Hey! Comment vous vous appelez? Jacques Brenner. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Inspecteur de police, flic, brigade criminelle. Vous étiez à la Maison Blanche? Le jour où je retournerai bouffer avec le comité de quartier, je serai au moins archevêque. Comment va Brenner? Rien de cassé, mais toujours dans les vapes. Et la fille? Elle aura plus froid aux pieds. Ce genre d'humour ne m'a jamais fait rire. Tu as son identité? Hoffman, Sandra, 22 ans, serveuse à la pizzeria. J'ai pas eu ses parents, ils sont en voyage. Quand on a trouvé le corps, on aurait dû me prévenir. Si Brenner travaillait en équipe comme et chacun de nous... Et qu'est-ce que tu aurais fait de plus que lui? Tu aurais terrorisé les témoins et c'est tout. Qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Vous ne m'aimez plus? C'est Brenner qui enquête. Alors, comment tu te sens? Hé, hey, lieutenant, qu'est-ce que je fais là? Monsieur, je termine, s'il vous plaît. Je vous repose la question. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? J'ai témoigné à l'audience pour l'affaire Baker. Quoi? Inspecteur. Amnésique? Ça secoue le cerveau, un choc pareil. C'est une affaire qui est classée depuis un an. Somme classique d'un traumatisme, les rayons X ne donnent rien. Vous allez le soigner? Attendez le résultat des analyses. Docteur, c'est très urgent. Ce gars enquêtait sur un malade qui a déjà tué 5 femmes après les avoir attachées. Sans Jacques Brenner, la liste risque de s'allonger. Vous avez certainement quelqu'un qui peut soigner son cerveau. Possible répercussion du choc sur le temporal gauche. Tous les symptômes de la commotion cérébrale. Il s'agit bien d'une amnésie post-traumatique, rétrograde. Il a perdu toute mémoire qui a précédé le choc. Il a oublié près d'un an? Ou seulement une partie, oui. Si je comprends bien, il sait qui je suis, mais pas la date d'aujourd'hui. Les souvenirs sont stockés comme une suite d'associations. Quand une partie du cerveau est endommagée, ça ne raccorde plus ou tout se mélange. Tout ce qu'il se rappelle et tout ce qu'il a oublié ne sont plus reliés. Si vous le souhaitez, je peux vous recommander un spécialiste. Le docteur Nielsen m'a dit que c'était précisément vous, le spécialiste. Je suis chercheur en neurophysiologie. Je ne soigne qu'un patient. Vous avez faim? Je me suis laissé dire qu'à la cafétéria, il servait un excellent poulet. Je combattis à tout ceci, mais je vous assure... Vous lisez les journaux, docteur? Oui, j'ai entendu parler du ligoteur, mais d'autres inspecteurs peuvent le rechercher. Oh oui, j'ai plein de génies capables de lasser leurs chaussures tout seuls. Mais j'ai qu'un seul Jacques Brenner. Expliquez-vous, lieutenant. Le nom de Willie Summers vous dit quelque chose? Non. Il en a étranglé 8, très lentement. J'avais 5 gars là-dessus. Rien. Jacques Brenner l'a trouvé en 3 semaines. Vous en parez comme d'un magicien, c'est un policier. Il est comme vous, c'est simple. Ce qu'il fait, il le fait mieux que n'importe qui d'autre. Ce qu'on ne distingue pas, lui, il le perçoit. J'aimerais bien vous aider seulement. On m'a demandé de présenter un projet et je manque de temps. Entendez? Vous oserez me tenir encore ce discours quand on annoncera la victime suivante? C'est dans 3 semaines si le ligoteur respecte son planning. Alors vous me direz où en est votre projet qui est si important. Non, je ne m'en rappelle pas. Essayez encore. 8, 3, 9, 7, 4, 2, 9, 1. À vous, à l'envers. 1, 9, 2. Ça va, on a avancé.
Ça ne fait 2 jours seulement. Ah oui, et pour quel résultat? Qu'y a-t-il? Rien, rien. La suite? D'accord. Je vous montre un dessin et vous nous donnez le nom de cet objet. Quand est-ce que vous vous êtes brûlé? Qu'est-ce que vous dites? La cicatrice qui est là, c'est une brûlure. Ça vous rend sincère parce que vous êtes un peu moins parfaite. On travaille. Que voyez-vous ici? Voilà, c'est là. Vous vous souvenez du numéro? J'ai lu ça en grand à l'hôpital. Très rusé, inspecteur. Vous savez, il vaut mieux me dire ce que vous avez oublié, sinon on n'avancera pas. Vous voulez m'aider? Ne me dites plus inspecteur, je m'appelle Jack. Ça, je m'en souviens. Vous voulez un alcool ou une bière? Enfin, si toutefois j'en bois. Je regrette, mais c'est là que je dois vivre. Il doit m'arriver de travailler à la maison. Regardez-moi ça. J'ignore où ça se range. Je crois que je boirais bien un scotch. À vrai dire, c'est peut-être pas une bonne idée. Mauvaise porte. Jack, vous voulez bien m'écouter? Dans un cas comme le vôtre, la mémoire revient toujours. Mais c'est seulement par bribes et sans ordre particulier, voilà. À l'hôpital, on m'a rendu mes affaires. Et il y avait un paquet de cigarettes. Je dois donc fumer. Je n'ai pas le moindre désir d'en prendre une. Ça n'a rien de dramatique. Le lieutenant m'a dit qu'il avait regardé partout et que je n'avais pas pris une seule note. Un flic, ça prend des notes. Pourquoi n'en ai-je pris aucune? Ce gars en tue une chaque mois. Dans 24 jours, il en tuera une. Sauf si je le stoppe. C'est pour ça que je suis venu. Vous le trouverez. Même brûlure de corde autour du cou, rapport sexuel avant la mort, c'est bien pareil. C'était une fille séduisante. Tu t'éloignes du problème, Franck. Elle était bien jolie, j'ai bien le droit de donner mon opinion. Il l'a gardée comme les autres, 2-3 jours. Il a aussi refait le rictus. Il a quoi? Il déforme les muscles de la bouche, après les avoir tués probablement avec ses mains. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Les 4 saisons. Naissance et mort. Ça en fait 2. Oui, mais ça compte double. C'est si violent. La jeune fille et la mort. La mort, on peut vraiment le dire, a toujours inspiré les compositeurs. C'est pire que tout ce qu'on raconte. Oui, sans doute. Vous devez être habitué, non?
Non. On dit que son petit ami est venu pour la voir. Et il s'est évanoui. Si on regarde cette fille, on pense à, disons, la fille qui dansait bien au bal de l'école. Ça pousse à le stopper. C'est ce qui vous stimule? C'est possible. On pense que peut-être, avec toute cette violence autour de nous, on ne peut pas faire autrement que d'intervenir. Vous aussi? Moi aussi. Alors maintenant, vous connaissez la motivation. Le ligoteur est célibataire, entre 35 et 40 ans, un bon QI, séduisant, intelligent. Il a eu des problèmes relationnels avec sa mère. Comme chacun. Docteur Larkin, pourquoi les prend-il dans les fast-foods? Je pressens un rapport avec les uniformes. Il mélange le sexe et la violence, un rapport pour lui, tout comme Bundy et Dahmer. Avec Ted, c'était un désir de soumission. Il avait été humilié dans sa jeunesse. Jeff gardait ses victimes au réfrigérateur. Il avait peur d'être abandonné. Et ce qui branche celui-là, si l'on met à part l'uniforme, bien sûr, c'est qu'il ne peut s'exciter sans d'abord avoir torturé et tué. Superbe théorie, Doc, mais éclairez-nous sur ce point. Ils déforment leur bouche après les avoir tués. Il veut les voir sourire. Ah ouais. Et pourquoi? Pour qu'elle ait l'air de lui pardonner. Oh, mais c'est excellent, ça, Jack. Ça tient debout. On progresse un peu? Ouais. Jack a tout découvert à l'instant. Jack, vous allez sur les lieux du crime, il faut que tu te remettes dans le coup. Grover et Lincoln vont t'accompagner tout le temps, partout où tu iras. Pourquoi me coller des babysitters? Il y a du nouveau, regarde. Page 3. Il y a eu des fuites à l'hôpital. Tes problèmes de santé sont devenus publics. Et notre ligoteur pourrait bien se manifester. Elle venait en voiture après ses cours. Elle stationnait près des poubelles. Elle pointait à 9h pile. Elle ressortait à 10h02. La dernière fois qu'on l'a vue, elle était en train de traverser la rue. Je lui ai dit d'attendre là. C'est risqué de traîner dans le quartier aujourd'hui, on peut être agressé en sortant ses poubelles. Je lui avais offert de la ramener, mais elle a dit non, son mec devait passer la prendre. Après le service, elles veulent toutes se tailler. J'aurais dû insister pour qu'elle reste ici, mais elle a dit que ça allait, qu'il allait pas tarder. Je lui ai dit d'attendre à l'intérieur. J'aurais jamais dû la laisser sortir seule. Un client m'a appelé, puis je suis allé, alors elle s'est tirée. Je peux pas faire attention à tout, j'ai aussi mon resto à faire tourner. Son ami passait la prendre de l'autre côté de la rue? Je lui avais dit qu'il y avait plein de dingues dans le coin. Des clodos, des traînes savates de toutes sortes. Vous en avez marre? Ça vous rase? Vous aviez déjà travaillé avec des flics? Je travaille avec des animaux. On peut penser que c'est à peu près la même chose. C'est bien que ça vous plaise. Moi, ça me gonfle trop, les décalés. Ça me fatigue, le délire. Le surmenage, c'est pas vraiment ton genre. On sait que Jack comprend les dingues. Il aime beaucoup Jack, notre ligoteur. Les psychopathes forment une grande famille. Entre dingues, ils se comprennent. Pourquoi il me cherche? J'en sais rien. Je crois que vous avez assez peu de points de ressemblance, disons. Ouais, bah qu'il me lâche les basques, alors. Non, il peut te servir. Pour cirer mes godasses, oui. Vous savez ce qu'il a dit? Tu es aimé du ligoteur, et voilà ce qu'il a dit, et je dois supporter ce gus. Le ligoteur t'a appelé. Il a appelé? On a pu l'enregistrer, on a une trace de l'appel? Non, on n'a pas eu le temps de faire ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que t'avais coincé Summers, et que t'aurais moins de chance avec lui, et qu'il était content de t'avoir comme adversaire. Pourquoi je travaille sans équipier? Tu avais Walter sur l'affaire Summers. Sur celle-ci, tu voulais travailler seul, je n'y ai pas vu d'objection. Mais là, je dois me battre. Ils veulent plus de toi sur cette affaire. Chaque jour, on m'appelle et on m'engueule. Keller est un idiot. Regarde-moi sa dégaine. Essayez de vous supporter. Sam, fais un effort, tu t'en souviens? Cherche un peu. Si tu me mords le doigt, attention, Sam. «
Non, toi, tu dors là et moi, je m'en vais. Et tu le sais. Qu'est-ce que tu entends, Sam? Molly? Ici, il faut sonner. Vous m'avez fait peur. Excusez-moi. Je voulais vous poser une question. Sam, voici Jack. Salut, Sam. Il a compris? Il comprend un tas de choses. Je lui ai appris le langage par signe quand il a eu une tumeur au cerveau. Il a tout oublié ce qu'il savait, alors il faut que je recommence tout. On a des points communs, lui et moi. Il adorait se battre avec les autres chimpanzés quand il s'énervait. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous croyez que je suis différent de lui? Je ne vous ai jamais vu avant. De quoi désirez-vous donc me parler? Eh bien, j'avais toujours eu un équipier avant. Et là, je suis seul. Il doit bien y avoir une raison. Vous ne dites pas les noms. Vous regardez les images et vous dites à quoi ça vous fait penser. La danse. Un couple qui s'aime. Il faut bien habiter dans une maison. C'est un... Je sais ce que c'est, mais ce sont les mots que je ne trouve pas. Laissez tomber. Focalisez et laissez-vous aller. Un canidé. Chien fidèle. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais bosser seul. Je ne notais jamais rien. Je n'avais confiance en personne. Je savais une chose que je ne devais pas répéter. Il est de la police. Dossier du personnel. Il y a 120 coupables potentiels pour le 3 août. Pour septembre, c'est pas mieux. Je devais bien tenir une piste pour ça. Comment vous avez pris le dernier, Sommers? J'étais plongé dans les dossiers et je suis tombé sur un vol à main armée. Une caissière dans un fast-food. Continuez à parler en disant ce qui vous vient à l'esprit. Du verre cassé sur le sol. Il l'a violé. Nous n'avions rien, aucune piste. Mais Sommers avait été dans deux vols à main armée. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Alors je l'ai suivi. Il s'éclipsait dans un garage tous les soirs. J'ai eu un mandat et j'ai fouillé. J'ai trouvé des sous-vêtements féminins, ceux de celle qui l'avait tué. Des culottes, des soutiens-gorge. Il les parfumait régulièrement. Puis se les collait sur le visage. Je me rappelle le parfum. C'était Spring Joy. Sa mère le portait. Oui, c'est génial. J'ai résolu une grande affaire que tout le monde connaît. Je n'ai aucun élément pour continuer celle-ci. La seule technique qui marche, c'est de bien exprimer ses souvenirs quand ils arrivent. Et ça, ça paie souvent. Encore un peu de café? Non. Non, merci. Je sais que ça ne me regarde pas, mais c'est bizarre ici. Oui, je sais. Je viens d'emménager.
Je sais pas où mettre tout ça. Ah oui? Autour de l'interrupteur de la cuisine, le mur est gris. Ça prouve que vous vous en servez. Vous vous déplacez ici comme quelqu'un qui connaît les lieux. Vous n'êtes pas arrivé hier. J'adore être psychanalysée de cette façon. Vous n'aimez pas vous installer quelque part. Vous n'aimez pas l'admettre. Depuis quand, vous là? Un an? Vous me dites comment la brûlure est arrivée? C'est un petit ami. La voiture l'excitait? Voir de l'eau bouillante? Du café. Un beau salaud. Ça sent quand un type est fou. Hélas, non, pas toujours. Faut se tirer avant qu'il attaque. Oui. Bonne nuit, docteur. On a travaillé tard hier soir, Jack? Mon cul est sur le grill. Et tu vas forcer la salle des ordinateurs? C'est l'affaire qui vous inquiète ou des questions de protocole? C'est perdre la place qui devrait t'inquiéter. Qu'est-ce qui te prend? C'est la chasse aux sorcières, tu recherches un de nos hommes? Tu as perdu l'esprit en perdant la mémoire? Lieutenant. Pas d'interférence, docteur Mostrand. Je crois que votre inspecteur a trouvé une piste. Il savait que le meurtrier appartenait à la police avant son accident. Écoutez, lieutenant, Danny, je n'ai pris aucune note. Pourquoi? Parce que j'avais peur que quelqu'un de notre brigade s'en empare. Et pourquoi toutes ces filles sortent avec lui? Parce qu'il est séduisant? Non, parce qu'il a un pistolet et un insigne. La prochaine fois, tu passes me voir. Madson t'a demandé si toutefois tu daignes être informé par les autres. Il a quelque chose pour toi. C'est de l'argile schisteuse essentiellement. Il y en a plein les montagnes. Donc ça peut venir de n'importe où. Un géologue serait plus précis. C'était la devise de James Dean, vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre. Oui, mais ces filles n'en demandaient pas tant, je crois. Et cette argile rouge a été trouvée sur les deux victimes? Oui, c'est ça. Pour celle d'octobre, elle était sèche. On l'a trouvée sous ses ongles. Celle de novembre en avait sur les mains. Ça prouve rien. Et sinon que votre tueur se laisse aller. Quand il aura tué Miss Décembre, on verra bien si c'est le même argile. Il faut l'arrêter avant qu'il en tue une autre. Ça va sans dire et c'est vous qui enquêtez. Docteur Nostrand. Docteur Tigg. Vous vous amusez bien? Je ne suis pas volontaire pour d'autres autopsies, si c'est ce à quoi vous pensez. Non, non. Il y a une certaine esthétique et de la beauté dans tout ça. Une sorte de mise en valeur du corps humain. Êtes-vous marié, docteur? J'ignorais qu'une autopsie pouvait être belle. Je crois que la réponse est non. Vous n'êtes pas marié et je ne vous intéresse pas. Bon, pas grave. Depuis mon divorce, j'annonce que je suis comptable. Quand je dis mon vrai métier, elle se taille en courant. Peut-être parce qu'il est assez étrange. Je reconnais que vous avez raison. Dites, vous avez déjà dit que vous aviez des jambes extraordinaires. Docteur, vous devriez changer votre technique de drague. Ouais, celle-ci n'est pas au point. Et ne me demande pas ça. Alors voyons, Frank, Tig n'est pas ton patron, alors dis-moi qui a trouvé l'argile sur leurs mains. D'accord, c'est moi. C'est toi. Et ton ami, le médecin légiste, ne l'a pas vu. Il y avait de l'argile sur Miss Octobre, non? Écoute, les autres font ce qu'ils veulent, d'accord? C'est pas que l'assassin qui devient négligent. Thank you.
âge mental, environ 6 ans. Vous avez perdu 6 secondes et pourtant vous en gagnez 5 par rapport à la semaine dernière. Un passé heureux. C'est votre femme. Vous vous souvenez bien d'elle? Je me rappelle que je repoussais les mèches cachant ses yeux. Ses lunettes glissant sur son nez. Vous rappelez son décès? Elle s'est suicidée. Avec mon arme de service. Je l'ai lu sur ma fiche. Je suis vraiment désolée. J'ignore pourquoi elle s'est tuée. Je l'ai peut-être poussée à se tuer. Personne n'est responsable des décisions prises par autrui. Non, c'est pas aussi simple. Il reste 18 jours. Si je ne trouve pas avant qu'il tue, là, je serai responsable. Ça va aller? Oh oui, j'ai mes babysitters. Ils me nourriront si j'ai faim. En tout cas, Molly, je vous remercie. Oh, oui. D'abord, c'est plutôt eux qu'il faut remercier. Je n'y suis pour rien. Non, ne dites pas que c'est votre boulot. Hey! Police! Retenez-le, il est cinglé! Je le reconnais, je l'ai vu. Il était à la gare de triage. C'est toi qui devrais trier tes idées, mec. J'ai pas une tête de chef de gare. Vous êtes en état d'arrestation. Bridge Lowell. État d'ébriété, voilà l'étalage. Il a travaillé comme vigile. Il a eu un pistolet, il y en a signe. Pas dans son appartement, on a regardé. 3 ans dans l'armée, il connaît certaines techniques. Jack, qu'avez-vous vu ce soir-là? Écoutez, ça m'est revenu comme un flash. Son visage, et j'ignore pourquoi je l'ai poursuivi. Regardez bien chacun d'entre eux, monsieur Lucas. Vous savez, je vois tellement de personnes je tous sais. Les jours. Oui, regardez-les bien. Avez-vous vu un de ces hommes près de votre restaurant en train de traîner autour du parking ou ailleurs? Non, j'en sais rien, je reconnais aucun. D'accord. Bon, merci d'être venu, monsieur Lucas. De rien. Je vous remercie. Il ne nous reste plus qu'à le relâcher cette fois. On a fouillé son appart, alors moi je ne sais plus. On a dit que le ligoteur devait avoir du charme, qu'elles allaient vers lui. Ce mec, c'est l'antithèse du charmeur. 3 témoins et pas d'indices. Fallait bien essayer. Pourquoi tu l'as chopé? Je l'ai déjà vu. Pourquoi tu l'as pris en chasse l'autre fois? Qu'avait-il vu? Ou qui avait-il vu? Tu tournes pas rond, quelle est? Non, c'est toi qui tournes pas rond en poursuivant un gars sans même savoir pourquoi. Et moi aussi j'aimerais bien savoir pourquoi, tu sais. Oui, ta mémoire, bien sûr. Ou peut-être que tu veux rien nous dire. J'ai dû te décider à me foutre. C'est la en paix. Te laissant en paix qu'on a manqué de choper le ligoteur. Combien de temps devra-t-on subir les lubies d'un débile mental? Jack! T'as perdu la mémoire. Pas ta mauvaise humeur. Lieutenant, l'inspecteur Brenner est trop tendu. C'est manifeste. Et si vous voulez que je puisse le soigner. Il faut le mettre en congé. Ne l'écoute pas, Danny. Écoute, tu sais quoi?
On n'avance plus du tout, et j'ai bien l'intention de faire tout ce que je peux pour qu'on y arrive. T'as 3 jours de congé, que tu le veuilles ou non. Qu'allez-vous faire? Que voulez-vous dire? Qu'allez-vous faire? À cause de vous, je perds du temps sans enquêter. Je vous rends un fier service. Hein? Un fier service? Pourquoi? Parce que ça allait chauffer pour mon matricule? Une performance en ce genre et se le renvoie pour raison de santé. Je veux que vous ayez ce tueur. J'ai une bonne idée. Un magnifique docteur et moi partons taquiner de belles truites. Chouette maison, belle vue. Ce sera moi, le docteur. Mon père et moi, on se baladait par ici quand j'étais petit. Il vous manque? Ah, ça oui. Quel âge aviez-vous donc à son décès? Oh, environ 12 ans. Il a été tué durant un vol à main armée dans un self-service. La presse a dit que c'était un héros, mais on ne croit pas qu'il ait été héroïque, il ne faisait que son travail. Le même que vous? Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a une carte dans la boîte à gants. Je croyais qu'on allait dans votre maison. Passez-moi la carte, d'accord? Laissez, je vais chercher pour vous, ce sera plus facile pour vous. Je sais le faire aussi si j'arrive à me rappeler l'endroit. Je peux me calmer. Je sais plus où est ma maison. Ça vous fait rire? Alors, le bout de la canne en bas, on balance, on la lève à environ 2 heures et on la laisse tomber. Attention, on la laisse pas tomber trop fort, ou alors les poissons vont tous se tailler. Alors, on recommence. Allez-y. Mais pourquoi doit-on pêcher par ce froid? Alors, on n'est pas gêné par les débutants. Allez, continuez. D'accord. Oh, c'est drôle, hein? Un peu, oui. D'accord, riez, riez, allez. Riez. C'est mieux que ce matin, quand vous étiez égaré. C'est une sensation horrible que d'être perdu. Les amputés ressentent ça aussi. Ils ont mal là où il n'y a rien. Voilà, dîner. En temps normal, on ne pense jamais à ce que l'on est. On le sait. Vous le savez. Disons que je suis un bon chirurgien, d'accord? Et un jour, je perds la mémoire. Je ne vais plus opérer. Suis-je la même personne? Le fond, ce que vous êtes vraiment, n'a pas changé. Il vous a jeté ça au visage, mais ça s'était déjà produit. Non. Si vous aviez oublié ces agressions, seriez-vous différente? Non, je serais la même. Vous êtes sûre? Qui était-ce, Molly? Un petit étudiant qui vivait près de chez moi quand j'étais en seconde. On est sortis et il était très violent. J'aurais dû m'en séparer, mais j'étais jeune. J'ai finalement réussi à le faire et la semaine suivante, il est revenu et il m'a violée. Je n'ai rien dit à la police. À quoi bon? Il aurait prétendu que c'était normal. Qu'on l'avait fait avant. J'avais pas envie de vivre ça. Et puis le mois suivant, il a réapparu alors que j'étais absente. Et ma copine lui a ouvert. Et il l'a violée.
Oui, là, c'était de ma faute. Et jamais je ne me le suis pardonné. Oh, mais qu'est-ce qui fait froid? Merci. De rien. Dites-moi, je me rappelle tout d'un coup qu'il y a un bar génial en ville. Je ne me rappelle pas où il est situé, mais ce que je me rappelle bien, c'est qu'ils servent des superbes cocktails. Ça vous dirait? On y va? Ça, là, ce nœud. C'est celui des photos dans votre appartement. Une demi-clé? Comme le meurtrier. Qui vous a appris à les faire? J'ai toujours su faire ces nœuds. J'allais camper quand j'étais gosse. Écoutez, il vaut mieux rentrer. Vous ne venez pas coincer l'assassin et je pêche. Oui. J'éprouve certains scrupules à vous parler de lui. J'ai besoin de savoir où il en est. Il s'est rappelé le visage de cet homme près de la gare et c'est bon signe. Uh-huh. Alors pourquoi Keller s'acharne-t-il à s'en moquer? Walter, il n'a pas inventé la poudre et Jack a pris Somers avant lui. Alors il est jaloux. C'est tout ce que je sais. Jack est doué, pas Keller. Peut-être parce que son père était flic comme lui. Ça doit être délicat de vivre avec sa mère après une pareille histoire. Je veux dire, la mère tue le père et le gosse est là, au milieu. Quoi? Son père n'a pas été tué dans un hold-up? C'est sa version, bien sûr. Au milieu de la nuit, sa mère pense voir un voleur. Elle tire dans le noir et elle descend son mari. Bien. Et pourquoi j'ai l'impression que vous ne me dites pas toute la vérité? C'était bien la nuit, mais c'était pleine lune. Et que faisait-elle dans la cuisine avec un 38? Le juge d'instruction a renoncé à l'inculper par manque de preuves. Jack, lui, aime mieux cette histoire. Si c'était ma mère, je crois que je dirais la même chose. Brenner, où tu vas? Faire un tour. On part avec toi.
regrette, docteur, il n'est pas là. J'ai appelé chez lui et il n'y est pas non plus. Bah oui, mais c'est plus un bébé, il se balade, voilà tout. Merci de me laisser entrer. Un policier interrogé sur le suicide de sa femme. Jack, j'étais inquiète, ils m'ont laissé entrer. Je sais. Je sais où il est tué. Il les prend en photo. C'est pour ça qu'il veut qu'elle sourie. J'ai tout ressenti. C'était comme si j'y étais. Ne dis rien. Ne dis rien. On en a déjà discuté. Mais comment il a eu l'autorisation d'aller là-haut? Calme-toi. Mais je croyais qu'il était en congé. De petites plaintes à la solution sans aucun effort. Jack, ta gueule! On enquête tous. Ah oui, et pourquoi il n'a pas contacté le commissariat? Il aurait dû. Lieutenant, vous savez pourquoi il ne pouvait emmener personne avec lui? On peut peut-être m'expliquer. Depuis quand elle est flic, la doctoresse? Lieutenant? Quoi? L'argile qu'a apporté Brenner est la même que sur les deux victimes. Pas d'empreinte sur l'enveloppe de fil. Walter, file là-haut avec une équipe et passe tout au peigne fin. Prends des photos. Et c'est lui qui a l'enquête. Eh oui, c'est comme ça. Il nous reste quoi? À peine 12 jours et l'en tuera une. Tu vas le choper, Keller. Comment t'as trouvé cette cabane alors? Elle est à 10 km de chez moi. Il y a de l'argile partout. Ça fait 20 ans que je chasse là-haut et je l'ai jamais remarqué. Chacun remarque ce qu'il veut. Surtout ce que fait le ligoteur, t'es vachement informé. Où étais-tu la nuit où elle a été retrouvée près de la gare? J'ai vérifié, t'étais nulle part pendant 2 heures. Je le dirais si je le savais. T'étais vite sur place. Et t'aimes les filles d'un certain genre. On sait tous que tu les choisis jeunes. Le ligoteur est pareil. Tu me cherches là? Je réfléchis. Peut-être que t'es arrivé vite car tu savais qu'elle était là. C'est possible, oui. J'ai vérifié pour les 5 crimes. Tu n'as jamais appelé ici durant ces 5 nuits. Tu devrais faire un rapport. Et si tu nous parlais de ta femme, hein? On se pose encore des questions à son sujet. Arrêtez les mecs! Putain, arrête, Jack, arrête! Stop! Arrête, t'es dingue! Tu as répondu.
C'est très clair. Bon, c'est moi le suspect. C'est ça, hein? C'est ce que vous croyez? Tu me donnes le pistolet et l'insigne. Molly! Molly! Non, je regrette. Attends, Jack, Écoute-moi. Molly, allons, s'il te plaît, écoute-moi. Ne me dis pas que tu es d'accord avec cet enfoiré. Pourquoi j'aurais couru après ce Gus sur la voie? Pourquoi te demander de m'aider? Pourquoi t'aurais-je demandé de m'accompagner partout et même chez moi? Jack, il t'accuse d'avoir tué ta femme. Il ne faut pas écouter. Quelle heure? Il n'y a pas que quelle heure. Il y a les articles de presse dans ton appartement. J'ai lu le papier. Je le regrette. J'ai voulu t'aider, mais je le regrette. Je refuse de faire ça, non? Écoute, Molly, je sais à quoi tu penses. Tu ne peux pas le savoir parce que je n'en ai pas la moindre idée. Et là, je voudrais m'en aller. Molly, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Ne tue pas le prochain mec qui te fera du mal. Est-ce que vous avez rencontré au cours de vos recherches des tueurs en série qui ont décidé de prendre pour cible une sœur ou leur femme? C'est Brunner qui vous a avancé cette théorie? Non. C'est plus mon idée. Souvent, ce sont des étrangers. Mais en cas de désir d'urgence, quel que soit ce besoin impérieux, oui, ils peuvent s'en prendre à ceux qu'ils aiment. Qui l'a fait? Wharton, déjà. John Lee Wharton. Il a étranglé sa sœur. Il a dit qu'elle essayait de le séduire. Quand vous leur parlez, quand vous les regardez, est-ce que... existe-t-il quelques signes apparents qui indiquent que ce sont des tueurs? Bien sûr. Pour déceler le diable, on voudrait qu'ils tiennent une fourche. Le sourire du malin, la folie du regard. Mais ne cherchez pas de stéréotypes pour vous faire une opinion. Très souvent, ils sont comme vous et moi. Ils semblent absolument normaux. Le procès de Somers, question de preuve. Il en a tué 6, celui-là, et c'est étonnant qu'on veuille le voir. Et pourtant, ça défile, il reçoit des tas de cadeaux. Elles veulent toutes l'épouser. Franchement, je fiche pas. Il y a des gars qui crèvent de faim dehors, et il reçoit à manger pour un régiment. Madame veut voir Willie Somers. Vous savez ce qu'on raconte? Que j'aimais le faire avec mes mains. Que pour les étouffer, je leur recouvrais le visage. Que j'adorais les tuer. Ça vous branche toutes d'entendre ça. Ça vous excite de côtoyer un tueur. Regarde-moi. Touche-moi. Ça te dit de me toucher? Est-ce que vous aimez les filles, Willy? Ça, oui, madame, j'adore. Les blondes, les brunes, les rousses. Mais elles vous avaient mis 13 en colère? Je les ai pas tuées. J'en ai tué aucune. C'était un coup monté. Par la police et les juges d'instruction? Fallait qu'ils se dégotent un coupable. Vous n'aviez pas d'alibi. Vous êtes en voiture sur une route. Il y a un gars qui est écrasé, vous trouvez le corps, rien ne prouve que c'est pas vous. J'ai jamais eu de copain. Je regardais toujours la télévision. Il n'y a aucune chaîne qui me plaise ici. Ils ont trouvé chez vous des affaires qui étaient à elle, que vous aviez parfumées. J'ai des copains maintenant. Je crois pas qu'ils vous plairaient. Ils vous font de vilaines choses ici. Ils ont trouvé certaines de leurs affaires chez vous. Oui, une paire de chaussures en cuir très fin. On les touche un peu et ça les marque. Pas d'empreintes. Et il n'y avait pas mes empreintes sur ces chaussures. Bonjour, vous êtes chez le docteur Mostrand. Je suis absente, veuillez laisser votre message. Je sais que tu es là, Molly. Je sais que tu es allée voir Somers. Et t'as bien dit qu'il était innocent, que c'était un coup monté.
t'attendais à quoi? Allez, Molly, décroche, s'il te plaît. Molly. Bureau des inspecteurs, j'écoute. Patientez. Est-ce que Brenner est là? Il est au vestiaire, il prend ses affaires. L'inspecteur Brenner est en congé, que puis-je faire pour vous? Ah, c'est pour toi, Brenner. Sur la 4. Inspecteur Brenner? Allô? Salut, Jack. Comment vas-tu? Ça s'arrange, ta mémoire? Oui, ça va, qui est-ce? Tu m'as oublié? Pourtant, tu me cherchais. Je te cherche toujours et je te trouve. Vite, repérage. Tu as une drôle de voix. Bon, c'est juste histoire de rendre ça plus intéressant, mon ami. Je ne suis pas ton ami, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Tu sais qu'on a des tas de choses en commun, Jack. Est-ce que tu as tué ta femme? Oh, j'aurais adoré la tuer. On a trouvé tes enveloppes de films. Tu les as prises en photo. C'est très délicat. J'aimerais avoir une photo de ta mère. Est-ce qu'elle a tué ton papa? Elle savait que c'était lui dans la cuisine. Tu as lu les journaux? C'est très bien, t'es très brillant. Oh, bien sûr que je suis brillant. On se ressemble. On ne se ressemble pas. On n'a pas besoin de les tuer pour qu'elles sourient. Tu devrais essayer, ça pourrait te plaire. On devrait se voir pour en discuter. Et tu me disais ce que ça te fait, hein? Oh, je regrette, mais je suis un peu pressé. En fait, je vais devoir raccrocher. On se parle depuis 41 secondes. 9 de plus et l'appel sera localisé. On dirait que tu connais les méthodes de la police. T'as eu du pot de trouver mon repère de montagne. Travaille bien, Jack. J'espère qu'on se verra très bientôt. Ouais, très bientôt. C'est fait? Non. Merde! Et merde! Je t'ai apporté un petit cadeau. Un détecteur de mensonges? Des roses. Royce m'a appelé. Il m'a informé. Vraiment, je suis navrée, Jack. J'ai compris ta réaction. Non, j'ai eu tort. Molly, je n'ai pas tué ma femme. Tu n'as pas à m'expliquer, je t'en prie. Si, j'en ai envie. Tu t'en rappelles bien? Ça revient? Oui, je m'en rappelle un peu. Oui. Je l'ai trouvée. C'était mon arme qu'elle tenait. Elle avait laissé un mot. Pourquoi tu n'as pas téléphoné? J'en sais rien. Je suis resté avec elle pendant 2 heures. C'est pour ça que j'ai été suspecté. Je te présente toutes mes excuses. Je t'en prie, pardonne-moi. D'accord. Tu es pardonné.
Molly? Écoute, il faut que je sois en ville dans une heure. Achète du café tant que tu y es. Non, à écoute. Tout à l'heure. Allez, debout, tu viens avec moi. Non, c'est important. Rien n'est plus important que le sommeil. Ça, ça l'est. Non. J'ai une idée. Laquelle? C'est une piste que je tiens à vérifier. Allez, debout. Debout, allez, je t'emmène. Non. Un bâton de rouge à lèvres. Je crois pas que c'était le sien. Des crayons. Tu crois qu'il prenait des notes? Laboratoire photographique Saint-Louis, Missouri. Voici ce modèle que j'ai trouvé à la cabane. Bien. Qui prend des photos des morts ici? Qui adore les cadavres? Non. Frank Teague. Et notre médecin légiste a droit à un insigne, lui. Tu crois que ses empreintes sont là-dessus? Non, ce n'est pas obligé. Il peut dire qu'il l'a touché sur les lieux du crime ou encore qu'il l'a jeté après avoir pris les photos. J'ai eu son emploi du temps. Victime numéro 1, il est en congé quand on retrouve la morte. Numéro 2, a travaillé la journée et pas la nuit. Numéro 3, il est absent pour raison personnelle. Victime 4, il est là, mais aucune autopsie dans l'après-midi. Et pour la cinquième, aucun travail de la nuit. Qu'est-ce que ça prouve? Le plastique qui les enveloppait, c'est le même qu'il utilise à la morgue. On reconnaît le diable s'il tient une fourche. Tu sais qu'on a des tas de choses en commun, Jack. Est-ce que t'as tué ta femme? Oh, j'aurais adoré la tuer. On a trouvé tes enveloppes de films, tu les as prises en photo, c'est très délicat. J'aimerais avoir une photo de ta mère. Est-ce qu'elle a tué ton papa? Elle savait que c'était lui dans la cuisine? Elle savait que c'était lui dans la cuisine? Qu'a-t-il fait pour savoir? Il l'a filtré. On se procure cet équipement n'importe où, même dans les magasins d'électroménager. Tu peux la rétablir? J'en sais rien, mais pour l'instant, j'essaie. Mais si j'y arrive, je crois que vous pourrez m'applaudir. Tu sais qu'on a des tas de choses en commun, Jack. Frank Teague? Pourquoi serait-elle allée vers lui? Il montrait son insigne de police. C'est un légiste, c'est pas... Les gens sont trop confiants. On menait une enquête sur d'affreux meurtres, des autostoppeuses violées en série. L'annonce était passée sur chaque média, surtout éviter de faire du stop. Alors j'ai fait l'expérience suivante. Je voulais voir combien de filles allaient monter. Et? Sur 16, il y en a une qui a refusé de monter. Attention, le voilà. Frank prend son pied à faire des autopsies. Tu te souviens quand il a découpé devant nous? C'est pour ça qu'il voulait qu'on les retrouve. Il ne rentrera pas chez lui. Pourquoi? Il ne rentre jamais après le boulot. Pas depuis son divorce. Il a faim. C'est bien là que cette fille travaillait. Je sais. Tu te sens en veine? Même si tu trouves une preuve, elle sera refusée. Tu n'as pas de mandat. C'est dans 8 jours qu'il en tuera une autre. Je ne finasse plus. Si tu veux t'en aller... Tiens, mets ça. Molly? Oui. Regarde. C'est hyper facile de filtrer sa voix avec ce truc. Regarde la table. Hé,
C'est le même film qu'à la cabane. On trouvera rien d'intéressant ici. Il n'y a que des lettres personnelles et là, il y a des tas de papiers, mais bon. Jack, regarde ça. Des photos. Des photos de chacune des victimes. Ce sont des autopsies, ça ne prouvera rien. C'est la même pellicule que celle-là? Dépêche-toi. Allez. C'était fermé. Vite, ferme-le. Allez, allez, vite, dégageons. Ça y est. Allez, allez. Un scotch sec et pour lui un soda. Tu sais, c'est fou ce que je viens d'apprendre. Le père de Tig battait sa mère et elle-même était une alcoolique. Qui t'a dit ça? Un ami de son ex-femme à l'instant. Écoute, Franck a les photographies, tu es d'accord? Oui. Il a filtré sa voix pour m'appeler. Il a merdé sur le coup de l'argile. Comme si on n'allait pas s'en apercevoir au labo. Quoi? T'as repris la cigarette. Tu avais arrêté depuis ton accident. Ah oui, c'est curieux. Subitement, j'en ai eu envie. Ce mec est dément. Il ramène des photos de cadavres chez lui. Des cadavres qu'il a découpés. Maintenant, on a tous les éléments pour comprendre pourquoi il est passé à l'acte. Son père bat sa mère. Et il doit sûrement battre son fils aussi. Le petit Frankie est grand à présent. Il veut tout faire comme son père. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il bat les femmes. Ça ne donne aucune explication sur tous ces meurtres. Soudain, une nuit, il saute le pas. Il ne se retient plus. Il la bat comme son père. Ensuite, il la viole. Et il la tue. Et je pense qu'il fait ça depuis des années. Contactons Royce et il le fera arrêter. Ah, si tu veux rire, ça ce n'est qu'une théorie. Écoute, Molly, écoute-moi bien. Si tu m'aides, on peut le coincer. Tu rentres, tu lui tends un piège et tu ressors. C'est tout ce que tu as à faire. Je n'aime pas du tout ce genre de truc. Je t'en prie, Molly. C'est la seule solution. Tu n'as qu'à entrer et ressortir. Je connais Tig, je le connais bien. Il fera le reste. D'accord. D'accord. Tu as lu les journaux, c'est très bien, tu es très brillant. Oh, bien sûr que je suis brillant. On se ressemble. Non, on ne se ressemble pas. Il n'y a pas besoin de les tuer pour qu'elles sourient. Tu devrais essayer. Ça pourrait te plaire. Ça avance? Lentement, un peu. Docteur Tig. Docteur Nostrand. Avez-vous vu Jack? J'aurais dû. Il m'a dit qu'il passerait ici. Non, pas vu. Hey, je vous fais une offre. Une place au premier rang pour la reprise au théâtre de Kiss Me Kate. Vous êtes partante? Oh non, je vous remercie, je dois travailler ce soir. C'est pour ça d'ailleurs que je cherche Jack. Où en est notre grand détective? C'est la question à laquelle j'aimerais répondre. Justement, j'ai pris l'option de lui administrer une drogue. Du DCMT. Je connais pas, c'est nouveau? Oui, elle a été testée contre l'apoplexie. J'ai pu noter certains progrès. Au point d'affirmer que Jack recèle au fin fond de sa mémoire le nom de l'assassin. Il aurait dit une chose exécrable. L'assassin serait un flic, vous confirmez? Oui, et ce soir, je pense qu'il sera capable de dire comment il s'appelle. Parfait. J'ignore où il est. D'accord. Après tout, il est sans doute monté m'attendre à mon laboratoire. Je vais aller voir. Si vous le voyez avant moi, soyez gentil de lui demander de m'appeler pour que je passe le prendre. Entendu. Bonne nuit.
pratique. Lâche ça. Ne crains rien, tout va bien. Ça va aller, attention, attention ta tête. Et accroche-toi à moi. C'est fini, ça va aller. Viens, allez, accroche-toi. Tu n'as rien, tu es sûr? Je crois que ça ira. Je me suis évanouie. Je suis arrivé quand il démarrait. Je suis désolé, vraiment désolé. Jack. J'ai réussi à les suffoquer là-dedans. T'es sorti, c'est fini, tu es sauvé. Allez, viens, viens, allez. Non, ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas. Viens, viens à la voiture, ça va aller. Viens, ne regarde pas. Tigui est mort. Oui, je sais. Tu l'as eu. Reprends ton souffle, ça va aller, reprends ton souffle. Respire fort, allez, rentre, ça va aller. T'inquiète pas, c'est fini. 32-15 APC. Répondez, APC. Alors ? Vas-y, je t'écoute. C'était lui. C'est fini. Je cherche toujours et je te trouverai. T'as une drôle de voix. Oh, c'est juste histoire de rendre ça plus intéressant, mon ami. Je suis pas ton ami, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Tu sais qu'on a des tas de choses en commun, Jack. Est-ce que tu as tué ta femme ? La tonalité, c'est du 300 Hz. Et c'est important? Toutes les lignes de ce bâtiment sont anciennes. Elles émettent du 300 Hz parce que le câblage est vieux. C'est sur la bande, on l'entend et on s'en tape. Cette tonalité est doublée. Elle passe en réalité deux fois. Deux tonalités identiques superposées, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire que c'est d'ici que le ligoteur a appelé. Frank Tigg appelait du sous-sol. Prêt à aller dans la maison de Tigg? Brahms, Chopin et Yves, qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'on fait ici, puisqu'on sait que c'est Tigg? On doit boucler l'affaire. Tiroir de cuisine. Des polaroïdes des filles pendant qu'il les tuait. C'est du béton, cette enquête. Il ne manque plus que ses empreintes. C'est fou ce que c'est clair. C'est comme dans le garage de Willie Summers. On cherche et on trouve. Frank Tigg avait l'équipement pour filtrer sa voix, alors nous, on se pointe et voilà les photos des filles. J'adore les enquêtes aussi parfaites. Prends ta pilule, Keller. Jack? Jack. Je croyais que tu dormais. Le classe, un peu ça. Au milieu de la nuit. Peut-être une façon d'oublier. C'est fini. Jack, c'est fini. Et ça valait la peine qu'on se donne du mal. Tu sais, si je ne t'avais pas, je ne sais pas trop ce que oui, j'aurais... Oui, mais tu m'as. Oui, tu m'as et je t'ai. Tu fais quoi quand tu n'as pas sommeil? Viens avec moi là-haut et tu le sauras. Non. Non. Thank you.
Tu es une fille magnifique, tu sais. Non, pitié, arrête, je t'en prie, arrête. Allez, Lincoln. Allez, souris, je le veux. Pitié. Jack, ça va? Oui, ça va. On a trouvé tes enveloppes de films. Tu les as prises en photo. C'est très délicat. Oh, j'aimerais avoir une photo de ta mère. Est-ce qu'elle a tué ton papa? Elle savait que c'était lui dans la cuisine. Tu as lu les journaux, c'est très bien. Tu es très brillant. Oh, bien sûr que je suis brillant. On se ressemble. Vous avez fait des tests d'image à l'école? On vous montre des nuages, mais vous ne voyez qu'un visage avec un pif rose. Oui, oui, moi je voyais une maison et des feuilles. Je n'ai pensé qu'au filtre, qu'à l'écran de contrôle de la voix. Alors que c'est pas une question de pureté ni de filtre, mais de vitesse. Mais enfin, de quoi vous parlez? Il a tout ralenti. Il a préenregistré son texte? Exactement. On ne se ressemble pas. Pas besoin de les tuer pour qu'elles sourient. Tu devrais essayer. Ça pourrait te plaire. On devrait se voir pour en discuter, si tu me disais ce que ça te fait. Ah, je regrette, mais je suis un peu pressé. En fait, je vais devoir raccrocher. On se parle depuis 41 secondes. 9 de plus et l'appel sera localisé. On dirait que tu connais les méthodes de la police. T'as eu du pot de trouver mon repère de montagne. Travaille bien, Jack. J'espère qu'on se verra très bientôt. Oui, très bientôt. C'est génial. Il a été inspiré. Il a procédé ainsi. Il a filtré sa voix, et puis il l'a ralenti et l'a réenregistré sur un autre magnéto, avec des espaces pour ses répliques. Il a connecté son magnéto à un téléphone. J'ai compris, c'est à lui-même qui téléphonait. Allez, vas-y. Tiens, Molly, voilà. Tu vas t'entraîner un petit peu, d'accord? J'aimerais vraiment bien en attraper. Tu n'attraperas rien si tu ne sais pas comment lancer ta mouche. Voilà. Allons-y. Il faut la lancer d'abord et la relever. Attendre un petit moment et la lancer. D'accord. Vas-y. Oui. Et là, doucement. J'ai dû casser le fil. Eh oui. J'ai pas de chance. Ça peut arriver, je vais t'en chercher un autre à la maison. Non, y a pas de raison, c'est vrai. Allez, j'y vais. Bon, ben vas-y. D'accord. T'en trouveras un au sous-sol, dans une boîte verte.
Eh ben voilà. On a un gros problème, là. Je n'avais pas prévu ça. Il faut trouver une solution. Oui, il y en a sûrement une. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse non plus. C'est bien que tu le dises. Oui, toi aussi. Tu as vu que j'ai changé, alors je ne suis plus lui maintenant. Oui, cet accident t'a changé. Oui. C'est triste pour Frank Tigg, bien sûr. Oh. Mais il fallait que je le fasse et je l'ai fait pour nous. Il faut qu'on essaie de trouver une solution. On pourra. Jack, je t'aime, toi. Oui, je t'aime et je te jure que jamais, jamais je m'en irai. Je suis pas sûr que tu me dises la vérité. Jack, quand on tient une personne, on est honnête avec elle. Essayez d'être celui que tu voulais. S'il te plaît. Non. Non. Fais-le. Allez, tire. Vas-y! Je suis content que tu sois là. Je ne suis pas ici pour toi. Molly, ne parle pas et écoute. Ça fait des semaines que j'essaie de clarifier cette idée. Dans ma tête, j'ai tout repassé. Je tiens à ce que tu répondes à cette question. Quand t'es-tu rappelé que tu étais lui? À moins que tu ne l'aies toujours su. Ça t'importe? Oui, s'il te plaît. J'ai été un moment différent. Et je suis tombé amoureux.
Mais ensuite, tu m'as aidé à me souvenir tout ce que j'avais besoin d'oublier. Et à partir de là, je ne pouvais plus te laisser t'en aller. Et pourquoi tu m'as choisi, moi ? J'ai pensé que c'était toi qui m'avais choisi. Je regrette, mais c'est comme ça que je suis fait. Molly, pardonne-moi, c'est tout ce que je te demande. Tu comprends ce que tu m'as donné? C'est tout ça que je voulais que me donnent ces femmes.